Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis de au-delà d'actualité, nous nous retrouvons ce mercredi soir avec Joseph Paty Lendo, avocat de profession. Il est initiateur de l'opposition scientifique. Maître Paty Joseph Lendo, bienvenue sur ce plateau. Merci et bienvenue à tous ceux qui vont me recevoir et que je recevrai aussi chez moi. Et en même temps, je vous dis merci. Oui, nous allons avec vous évoquer les 59 ans de dépendance depuis que notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Ça s'est passé dans la méditation dans pratiquement tous les pays, nonobstant peut-être la manifestation de la Mouka qui a essayé un peu de secouer disons l'atmosphère politique. Je ne sais pas si vous comprenez le fait que ça fait quand même plusieurs années que les Congolais passent la fête du 30 juin dans la méditation. Ben merci, mais vous savez, nulle part au monde un pays n'est allé si loin tout en se départissant de son histoire. Mais vous serez de mon avis avec ceux qui nous suivent ce soir que la RDC s'écarte de son histoire, la RDC trompe sa propre histoire, la RDC fait taire sa propre histoire, et c'est ce qui justifie le balbutiement dans lequel nous pataugeons avec notre manière de gérer la RDC. Donc la méditation, ce n'est pas la réponse appropriée. Oui, parce que dans d'autres pays, la fête de l'indépendance s'est vraiment fêtée avec faste, et même sous les marshals, nous nous rappelons que c'était toujours, en tout cas, pratiquement parmi les plus grandes fêtes de la République ces derniers temps. Ça démontre quoi? Que le pays est en deuil, le pays est dans la douleur, le pays est dans non, la misère. Non, mais si ça nous vaut n'arrivons pas la peine pas, de fêter. Si nous n'arrivons pas à honorer notre anniversaire en tant qu'État, et le 30 juin, c'est plus un symbole historique, n'est-ce pas? C'est plus une légende qui s'impose au devant de chacun d'entre nous. Et si nous ne respectons pas cela, je me demande qu'est-ce que nous respecterons dans ces pays. Mais néanmoins, j'ai vu des choses qui n'ont nullement la hauteur ou la portée historique du combat de ceux d'entre nous qui ont même laissé leur vie là-dedans et qui ont fait couler leur sang afin que nous soyons indépendants. Donc j'ai vu des cérémonies qui ne représentent rien, mais auquel on a donné une connotation plus qu'importante, alors que ce serait plutôt l'inverse. Donc on aurait pu plutôt honorer autrement le 30 juin, plutôt que de faire ce que nous voyons, ce que nous avons fait, et ce que nous avons toujours l'habitude de faire dans les tralala nationales. Oui, c'est pas... Qu'est-ce que vous pensez du fait que le 30 juin, la Mouka qui a projeté de marcher, la marche était interdite, et puis les militants de la Mouka ont eu droit, en tout cas, à une bastonnade généralisée de la part de la police, comme si nous étions encore sous les joues coloniales. Comment vous interprétez ce non, fait? La démocratie est tout. Mais la démocratie est plus le régime des libertés, n'est-ce pas? Pour autant que ma liberté n'est générée par l'autre, eh bien, j'en ai encore droit. Et aussi, nulle part, il est admis que la police se méconduise devant ceux qui exprimeraient autrement leur liberté. Si la manifestation est interdite, me semble-t-il, mais il faut encore rentrer dans le contexte constitutionnel de notre pays. C'est qui pourquoi, ne prévoit pas l'interdiction. C'est pourquoi nous disons, il faut que, je me réjouis là-dessus, que la nouvelle gouvernance se soit inscrite dans la dynamique de l'état des droits, et je pense que l'état des droits, c'est aussi la bonne lecture de la Constitution. N'est-ce pas? Il ne faut pas lire la Constitution de manière sentimentale, de manière biaisée, de manière passionnelle. Il faudrait que la lecture de la Constitution s'impose. Encore faudrait-il que chacun d'entre nous ait les beaux yeux et les bons pour bien lire les textes et l'intelligence qui s'oblige pour comprendre aussi ce qu'on est à même de lire. Donc là, je pense, c'est une déviation. Mais néanmoins, je ne saurais pas non plus comprendre qu'un jour comme celui-là puisse servir de plateau de
spectacle de la désolation, de la déchirure politicienne. Mais quand j'interroge le passé récent de l'histoire politique de mon pays, je me rends compte que ce ne serait pas la première fois que le 30 juin est subi pareil traitement de la part de ceux qui voudraient bien se dire politiciens et construire la République. Donc voilà, en fait, puisqu'il n'y a pas un sans deux, ce que j'ai vu les dimanches derniers s'inscrit dans la logique de deux, si pas de trois, parce qu'on a déjà vécu ça dans les passés. Donc rien de nouveau sous le soleil. Ah ben, ni le nobe sous le sol, disent les latins, rien de nouveau. Mais nous devons proscrire tout ce qui est irrationnel. Quelque part, nous devons nous engager à l'école de la République, c'est-à-dire faire taire mes passions, mes petites ambitions, mes petits calculs individuels pour faire promouvoir, allais-je dire, le calcul républicain. Mais c'est ce qu'on ne voit pas dans ces pays. Mais ceux qui crient n'écrit qu'en fonction de leur petit ego, de leur petit moi, alors qu'aucune démocratie n'a réussi ses promesses là où la majorité de ces acteurs sociopolitiques ne sont que dans leur moi. Le moi simulé, le moi camouflé, le moi sournois, le moi silencieux. Voilà les problèmes de ces pays. Bon, Maître Patrice Joseph Lendo, vous êtes congolais. Si on vous posait la question 5 ans, 9 ans après, qu'est-ce que vous avez fait de ces pays bénis que Dieu nous a donnés? Vous savez, je n'ai pas l'habitude, quand je parle, de parler à ma génération. Parce que je suis conscient que nous sommes vraiment l'artisan de la dérive de ces pays. C'est nous qui sommes à la commande, hier comme aujourd'hui, c'est la génération, n'est-ce pas? Mais je dirais plutôt aux jeunes, ils doivent comprendre le bilan de nos 30 juin, ils doivent, plutôt de nos 59e année d'indépendance, les jeunes doivent comprendre que, et c'est là d'ailleurs ma crainte, nous cheminons 59 ans après, lentement mais sûrement, sur le pas des nénés, qui est si loin géographiquement parlant. Et cette année-là, vous allez vous en douter, c'est le Haïti. Haïti a plus de 200 ans d'indépendance, mais il se cherche. Et comme Dieu même, le Père qui a créé le monde, a horreur de certaines imbécilités, vous voyez, le Haïti excelle aujourd'hui dans les calamités naturelles. Éboulement, inondation, mort qui s'en suivent, pas parce qu'il y a crépitement d'armes, mais parce que la nature frappe les Haïtiens, ils sont trop bolonnés. Et je ne pense pas que nous puissions vraiment être fiers de ce que 59 ans après, les Belges nous ont laissé la commune de Matete en bon état, et la commune de Kalamu, la commune de Kassavubu, d'Endal, c'était en bon état. Mais aujourd'hui, le même Belge, s'il revenait, il se rendrait compte que 59 ans après, Matete est dans des trous impossibles. Le goudou ne reste que dans l'histoire, dans l'imagination. Est entretenu par certains les gens qui font les djalelos, ça et là. Donc ça, c'est une interprétation. Donc il y a vraiment un grand recul. Mais il y a un grand recul. Je vais rappeler aux jeunes une chose. En 62, deux après l'indépendance, nous étions sur tout le plan, et ça, ce sont les statistiques scientifiquement vérifiables. Nous étions aînés aux Coréens, n'est-ce pas? Oui. Les Coréens étaient nos petits frères. Nous étions aînés, développement, tout ce que vous voulez, économie, monnaie, culture, santé, sport, n'est-ce pas? Nous étions aînés. Le Brésil ne pouvait pas se permettre de se comparer au grand Congo d'hier. Ça, c'était là encore l'héritage laissé par les Belges. Mais non, il ne faut pas dire l'héritage laissé par les Belges. Les Belges ne nous ont pas apporté l'argent. Les Belges ont travaillé avec ce qu'ils ont trouvé ici. Si je savais qu'on parlerait de ça, je vous aurais amené les statistiques pour vous faire voir. 50 ans après, ce sont des statistiques d'une institution de renommée dans le domaine de mine. 50 ans après, vous allez voir ce que la Belgique a fait avec ce que nos produits naturels ont pu donner aux Belges de l'époque. Construction des hôpitaux, chemin de fer, l'unique d'ailleurs, c'est l'œuvre des Belges. L'Obito, il est beau, ce sont des choses de Belges. Kinshasa Matadi jusqu'à Boma. C'était le Belge, mais nous, nous sommes venus dans notre ingéniosité maléfique. Nous avons détruit les chemins de fer dans le tronçon Matadi-Boma. Et ceux qui ont fait ça n'étaient pas de noms originaires de la province, avec le fils de la province. Voilà, les Belges nous ont fait la lumière à Matete, Kassavou, ainsi de suite. Les Belges ont construit des écoles. Les Belges ont construit l'université de Kinshasa, l'UNASA de l'époque. C'était l'unique pour le Rwanda, pour le Burundi. Voilà, en fait. C'est pas vous trouvez quelle explication
pour expliquer cet état des choses. C'est quoi le déterminisme racial? Non. L'homme blanc. Non, mon cher. Et quand frère, il cède les commandes à l'homme noir, qui est médiocre. Heureusement, le monopole, l'exclusivité de l'homme noir n'est pas non plus congolais. Monopole et exclusivité, disais-je. Voyez-vous, il y a le noir au Congo-Brazza, il y a le noir au Rwanda. Je vous surprendrai. J'arrive au Rwanda. Rwanda, Urundi, colonie belge. N'est-ce pas? Oui. J'arrive au Rwanda. Chez un enseignant. En quelle année? Ben, il n'y a pas 10 ans. Oui. Le Rwanda d'aujourd'hui, il n'y a pas 10 ans. Après le génocide. Après, bien sûr, avec les nouveaux régimes. Mais j'arrive au Rwanda. Chez un enseignant de l'école primaire. Je vois une dame venir me servir avec une bavette comme ça. Je me disais, madame. Je dis à l'ami, ah, madame, tout me respect. L'ami me dit, non, cher maître, ce n'est pas madame. Madame est partie au boulot. C'est la bonne. D'ailleurs, elle revient de son 13e mois. Voilà un peu. Un enseignant de l'école primaire rwandais est à même d'avoir une bonne. Et à cette bonne-là, l'enseignant de l'école primaire, 3e ou 4e, c'est pas normal où on dit là-bas. L'enseignant là est à même d'allouer à sa bonne le 13e mois. Vous et moi, vous savez les discours dans nos entreprises publiques. 200 mois d'impayement, 50 mois d'impayement. Mais les DG, les responsables font des vacances, ils vont en Europe. Autorisés par le gouvernement de mon pays. Voilà, Congo Brazza est brigadier de la police. Qui me reçoit chez lui, il m'appelle, puisqu'il a marié une manianga de chez moi, mais manianga de Brazza, il m'appelle beau-frère. Beau-frère, tu viens chez moi à la maison le matin. J'arrive chez le bris, je n'ai pas dit Angida, lieutenant, colonel, général ou maréchal. Vous, vous êtes champion dans les titres, dans les prestiges des titres. Brigadier. Brigadier. Donc les soldats de Likili, voilà. N'est-ce pas? Il me demande chez lui le matin. Les amis qui m'ont accompagné dans cette histoire de position scientifique, ils le savent. Je peux citer Doudou, qui est revenu de Brazza, il habite Kaouka. Eh bien, mon cher frère, le prisonnier, le brigadier me dit, je vous sers quoi? Du jus, du thé, du lait, vous voulez la charcuterie? Ah, moi, j'étais électrocuté. Donc, comme disent les Kinois, Nakanga, Mina, courant. Je regarde, mais type ici, je me disais, à la fin, il va me demander, bon frère, comme les Congolais n'ont pas de... Et le colonel n'a plus de Sony, quoi. Un bon frère, fais ça quelque chose. Il y sort, il y revient un tas de saucisses. J'ai dit, mais yo. Alors, pour faire l'esprit congolais, RDC, non, comme Akasi, j'ai dit, oh, mais chez nous ici, même les petits policiers, les petits là qu'on recrute à peine, ils ont droit à des petites choses comme ça, mais ils s'en passent. Oui, tout ça. Voilà. Tout ça, donc, c'est pour dire tout que ça mettre en partie, ne me ramenez pas à ce que l'homme noir, non. Et aussi ce sont des noirs. Mais maintenant, qu'est-ce que les Congolais en particulier? Mais nous, les Congolais doivent nous avons en particulier mon cher frère, à détruire tout ce que nous a laissé. Le combat que nous menons, le combat de la méritocratie, c'est celle-là. C'est un chemin étroit, nous le disons jeunes. Nous qui parlons de démocratie, méritocratie, nous savons. Ce n'est pas le bienvenu dans l'arène politique congolaise. Mais les politiques qu'on n'aime pas la méritocratie, ils nous disent. Il y a une méritocratie, non, voilà les choses qu'on dit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre conscience. Nous devons quitter les chemins qui nous conduisent à Haïti, notre grand frère original, pour que nous reprenions conscience de ce que, en 74-75, nous fûmes encore jeunes dans ce pays, dans cette capitale. Si on vous dit J.R. Mokolo Muzombo, c'est-à-dire d'Angola, vous êtes originaire d'Angola. C'était une injure impardonnable qu'il soit. Et il s'en suivit des bagarres entre les jeunes. Afinga Muzombo. Mais aujourd'hui, en politique, les Congo, Mukongo, Manianga, pas par procuration, ni par caporalisme, ni par décret, mais parce que je suis là, mes parents ont une origine incontestable à Manianga, eh bien, il m'arrive de faire roufou pour assouvir mon étanchéité politique. Mais je vois des Congolais faufiler aux marmailles des services d'immigration angolaise. Pourquoi? Pour se faire la vie chez les Bazombo. Voilà les versions de la pyramide. Nous devions, parce que déjà en 74, nous étions des aînés. J'ai connu un certain l'homme d'Efnela,
Holden. Roberto Holden, il était ami à nos parents. Je l'ai vu, je l'ai connu, je l'ai vu, j'étais tout petit. Mais je voyais un peu les traverses de son combat pour l'indépendance de l'Angola. Voilà. En 75, on vous dit, Angolais, c'était une injure. Mais 2019, combien de Congolais ne sont-ils pas là? Et quand je demande aux politiciens, aux amis de Congo, les Congolais d'ici, qui sont à Luanda, mais bonjour à Mboka. Ah, Mboka Rabino, on a parlé de Bongisangonan. Voilà. Voilà. Donc, il faut que nous prenions conscience. Comment on va prendre conscience? Quittons ces terrains de stérilité. Mais leadership, non? Mais, hein, la masse, toute la population dans son ensemble, ne peut pas prendre conscience. Si l'État nous était permis, s'il n'y a pas de guide, je vois des gens dire le Congo a un problème de leadership. Mais le leadership, c'est quoi? Non, mais je vois, même vous, la presse, c'est ça le mal du Congo. Je vous ai dit méritocratie. Passez-moi l'état de vous expliquer c'est quoi. Des modèles, quoi. Passez-moi l'état de vous expliquer c'est quoi. Je vous expliquerai. Mais très rapidement. Je vous expliquerai. Mais au Congo, les gens vous disent leadership. Je vois les politiciens. Quand ils sont de l'autre côté, ils disent problème de leadership. Hier, c'était pour s'en prendre au président Joseph Kabila. Problème de leadership. Donc, comme on dit, on voit que les bangs à Joseph Kabila. Aujourd'hui, on dit leadership. On voit que les bangs à le président Félix. Mais on n'avancera pas. Le leadership, c'est quoi? Ce n'est pas l'affaire des noms. Ah, je vous assure. Leadership à faire de nous. Mon cher frère, c'est un mécanisme sociétal généralisant. Le leadership que je connais, je suis scientifique. Les jeunes, ils doivent entrer dans le Google. Maître, vous prenez par exemple la Chine de Mao. Au début du siècle passé, ce pays-là mourait de faim. On a vu la Chine sous la houlette de Mao prendre l'avance. Non, c'est devenu un pays très la Chine a pris de l'envol. Il y a même des gens aussi qui donnent la Chine a pris. Les coups de pouce. D'ailleurs, je vous dirai par histoire, par acquis d'histoire, Mao a retardé la Chine de plusieurs années. C'était Deng Xiaoping qui est le père du boom chinois, qui a ouvert la Chine au monde et qui a fait de la Chine aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé sous Mao? Il n'y avait que des Chinois avec des Ungarous. Pantalon, ça forme, chemise, on ne sait pas trop repasser ou pas repasser. Chemise, ah non, c'était ça les Chinois. Mais aujourd'hui, je suis minier, dans le mine, les droits miniers. Mais je vois des Chinois belles cravates. beau costume, bon, voyez-vous. Donc le problème, c'est, nous devons prendre conscience. Croire que le Congo ne sera remis sous le règne avec le président de la République, c'est une fausse connotation. À travers qui alors? Il faut que vous et moi, nous comprenions en solo res publica, que nous comprenions. Si vous êtes sérieux dans ce que vous êtes, monsieur Gilles, vous avez réellement une vision grandiose de la RDC. Si demain vous faisiez PDG, DG, PCA, ministre, vous allez faire refléter cela. C'est pourquoi je dirais aux plus jeunes encore une fois, Fernand Nothomb, un parlementaire belge, dans son livre Au fond des choses, Fernand Nothomb a dit, quelqu'un qui n'a jamais rêvé la grandeur dans sa vie, qui n'a jamais rêvé qu'il sera un grand demain, même si vous le fabriquez, il sera toujours le prototype de ce petit-là qu'il a été originellement. Et feu, et pour ce que je citerai, Ngouz à Karl Bond, dans sa lettre ouverte à... Non, feu plutôt Sakho Mbinongo, dans sa lettre ouverte à Ngouz à Karl Bond. Il faut que les jeunes lisent. Sakho a dit quelque chose de fondamental, parle-là de Ngouz. Et vous suivez par là pour qu'on avance. Oui, Ngouz. Tous tes méandres comportementaux, tes tergiversations, ne sont que le reflet de ton subconscient enfantin. Et ça comme il enchaînait en disant, le subconscient enfantin, c'est le reflet de la conscience de l'adulte. Fin de citation. Ok, Maître Patrice Joseph Lendo, le 30 juin 2019, un dimanche, les notables du Congo central et du Congo se sont retrouvés à la place Kimpwanza, là où se trouve le monument du fait président Kasavubu, l'un des pères de l'indépendance. Je ne sais pas pourquoi vous êtes retrouvés là-bas seulement entre les Congo. Ben, je remercie. Et pourtant, la fête du 30 juin, c'est une fête nationale qui concerne notre Congo. Mais au niveau national, vous avez décrété la méditation. Mais on ne définit pas la méditation, c'est quoi? Je peux méditer en état dans un terrain de football. Ceux qui ont élevé et les considérations spirituelles, ils savent ce que c'est une méditation. Une méditation ne se décrète pas, une méditation ne s'impose pas aux gens. La méditation, ça fait partie de la discipline personnelle. Lorsque l'être physique
veut renforcer sa force spirituelle, sa force métaphysique. Il lui est demandé de méditer. Pendant que je suis devant vous, mais je suis en train de méditer intérieurement, pour que mon être spirituel puisse veiller sur ce que l'être physique va dire à ceux qui me suivent à travers leur télévision, qu'ils ont acheté, je suppose, comme la mienne, sans violer les règles du pays, sans froisser Dieu le Père, ça c'est aussi cela. Donc voilà, nous nous sommes dit, l'indépendance, nous les Congolais de la province du Congo central, nous avons donné beaucoup. Le père de l'indépendance, en tout cas, vous pouvez refaire les pages de l'histoire. Le père de l'indépendance immédiate, c'est le président Kassavubu. Ça, c'est l'histoire. C'est un acquis de l'histoire. On ne sait pas ça aux jeunes. Le père de l'indépendance immédiate, ce n'est pas une indépendance putative. Une indépendance réelle. Et son père s'appelle le président Joseph Kassavubu. C'est l'histoire nationale, l'histoire générale du pays. N'en fait pas écho. Mais nous qui sommes fils, petit-fils, descendant de Mbuta Kassavubu, de Mbuta Nzezalando, de Mbuta Kanza, de Mbuta Kingotolo. Mais nous devons quand même honorer nos racines. Et ça ne va pas à l'encontre de notre appartenance au nous national. C'est pourquoi nous nous sommes dit... Et qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir en tout cas de cette rencontre? Car non. Les Congolais comme les sénateurs honoraires Sylvain ou Raphaël, Diomi Dongala, les Zolantima, les Kimasi, les Kimbangu... Et vous-même, Patrice Blendo, vous étiez parmi ces notables Congo. Parmi dans le comité organisateur. Donc voilà, vous avez cité Kimbangu. Nous nous sommes dit, je vous ai dit d'entrée de jeu, un peuple qui oublie sa propre histoire, ce peuple-là va à la dérive. Nous, et ça, je rappelle à nos Congo, au Bas-Congo, que nous ne pouvons pas nous contenter d'un certain caporalisme, certain super Bas-Congo. Ça, j'ai dit. En tout cas, moi qui vous parle, je ne suis pas de cette dimension-là. Et aucun Mokongo n'est plus Mokongo que moi pour m'imposer ce que je peux dire, ce que je peux dire en Mokongo. Mais je reste dans la vertu de gros que vous avez cité. Nous vous avons parlé de Kassavubu, d'heureuse mémoire pour ce qu'il a fait, le père de la probité, de l'honnêteté, de l'intégrité dans la gestion. Donc un vrai Mokongo, c'est ce que nous avons rappelé aux nôtres, un vrai Mokongo qui n'est pas dans la probité, l'intégrité, l'honnêteté, la sobriété, donc pas le moi. Mais aujourd'hui, on a des Bakongo cupides, des Bakongo violents. Mais, non, nous rappelons. C'est quoi le mixage? Mais non, nous disons ça maintenant. Nous avons perdu, ceux qui ont perdu leur source, leurs racines ne peuvent pas évoluer. Il faut que ceux qui détiennent encore un pan de la vérité historique puissent léguer ça aux générations futures. Les jeunes Bakongo d'aujourd'hui, ils sont nés à Matongé, ils sont nés à Mbandaka, ils sont nés à Ilebo, mais ils n'ont rien d'intimité historique avec la racine mère. Il faut que nous, qui sommes encore là, Dieu merci, nous serons toujours là, que nous puissions servir de relais. C'est ce que nous avons rappelé. Il y a aussi les notables Congo, vous êtes vent debout contre le projet de construction de la route, du pont route rail Kinshasa-Brazzaville. Ben, je disais, les travaux, en tout cas, je disais, vous avez vu, nous sommes ancrés dans notre histoire, dans notre ancestralité. Chez les Mokongo, le droit de naître est sacré. Voilà pourquoi nous sommes des jeunes, nous nous sommes permis de voir certains Mbuta Nekongo. Vous avez cité Mbuta Raphaël, Silovang, c'est un grand nom dans le Congo central. Vous n'avez pas cité Mbuta Kiakwama. Il était avec nous, à la dernière minute, il s'est excusé, il avait une charge familiale au niveau de Banzalungu natal. Vous n'avez pas cité Mbuta Grand Amiral Mavamoudima. Il s'est excusé parce qu'il avait un empêchement en dernière minute. Donc voilà. Et parmi nos patriarches, il y a Mbuta Panupanu, qui a des problèmes de santé. Dieu merci, ça va. Il y a Mbuta Kakoma. Et le reste vient. Parce que le Mokongo, le droit de naître, c'est sacré. Il faut que cela soit transcendantal. Quand les Mbuta Panupanu ne seront plus là, les Mbuta Mava ne seront plus là, les Mbuta Kakoma, nous aimons Mbuta Yerodia. Donc ça, il faut que les jeunes comprennent. Mais dites-nous maintenant, vous opposez rapidement, j'en viens. Pour le Mokongo, le droit de naître est sacré. Patrice Lende, politicien, vous ne me verrez jamais dire du mal d'un aîné, quel que soit son camp. J'ai dit des vérités, mais dans le respect de votre dignité. Ça, c'est la propriété de l'opposition scientifique de la méritocratie que nous prenons. Qu'est-ce que vous nous reprochons? Nous ne reprochons rien. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons dire bravo, président Félix. Pourquoi? D'abord, dans son cabinet, nous avons trois Bakongo. La Dirkaba,
Panupanu, Getty. Nous avons Louvezo. Nous avons Lutagila. C'est déjà bon. Représentativité autour du président, c'est bon. Et je suis Manianga. Je suis fondé à vous dire parce que je fais partie du comité de suivi de l'électrification de Louvezo. Le président Tshisekedi a remis 5 millions de dollars pour que nous ayons le courant à Louvezo. 59 ans après, Louvezo, le bastion d'une histoire récente, a été oublié. Voilà. Et vous oubliez aussi que le Congo central a un barrage hydroélectrique. Mais voilà. Et le barrage d'Inga, le barrage d'Inga se situe dans l'espace Manianga. C'est curieux que moi, je suis là, je meurs de faim. Mon fils est ADG, mon fils est premier ministre. C'était concevable. Il lui fallait qu'il y ait un président pour nous aider. Ça, c'est déjà. Oui, à propos de ces ports. Voilà, à propos du port. Parce que l'État. La cérémonie de dimanche n'était pas seulement festive. Elle était aussi commémorative. Vous avez évoqué la couronne de fleurs qu'on devait déposer au pied du monument de notre illustre patriarche d'heureuse mémoire, le président Joseph Kasavubu. Mais nous avons organisé un échange d'idées. Le Congo pour nous, en tout cas c'est la vertu, c'est la science, c'est le vrai savoir. Et les thématiques étaient que l'honorable Jean-Claude Vuemba, il a planché, puisque lui il est en tant que politique, de renom dans notre terroir, il a suivi ces dossiers Port-Route-Rail. Kinshasa-Brazzaville. Non, Port-Route-Rail et le port en eau profonde au niveau des bananes. Mais il a suivi ça. Mais le fait, par exemple, que le chef de l'État, dans sa conférence de presse à Bounia, a dit qu'il conditionnait désormais la construction de ces ponts Route-Rail-Kinshasa-Brazzaville à la construction du port en eau profonde des bananes. Mais c'est ce que je disais. Ça a souvi. Nous l'avons dit et l'honorable Jean-Claude Vuemba, dans son intervention, avait abondé dans le même sens. Voyez-vous, oui. L'honorable Puella a parlé sur les défis, la radioscopie des défis pour le développement du Congo central, ainsi que l'épineuse question de l'émergence des jeunes des Congo dans les institutions. Et notre frère Christian Mambou, il a parlé de la portée historique. Pour que nous ne fassions pas disparaître l'histoire de notre pays. Donc voilà, aujourd'hui nous dirons bravo président Tshisekedi. Il a compris que les intérêts vitaux d'une province aussi capitale que la RDC, aussi comme votre conclusion, parfait, aussi importante que le Congo central, ne puisse souffrir du fait de l'ouverture de la RDC au monde africain, à cette Afrique qui s'en foncière. Souvent, l'opinion proche du pouvoir perçoit le Congo comme étant hostile au pouvoir en place. Mais je vous ai dit, vous savez, là aussi, c'était un problème. Et dommage, l'État n'est pas là. L'hostilité au pouvoir, ça veut dire quoi? Dire la vérité au pouvoir, ce serait ça qu'on appellerait l'hostilité. Nous n'avons pas de raison. C'était ça l'une des conclusions de notre rencontre de dimanche dernier. Nous n'avons pas de raison de nous opposer au président Tshisekedi. Nous avons le devoir de l'accompagner de manière à ce que son mandat soit une réussite. De rappeler au président Tshisekedi qu'il y a eu votre prédécesseur, le parrain de votre histoire politique, Mbuta Kasavubu, qui a inscrit sa mandature. Au savoir, il a compris et il a déjà trois d'entre nous autour de lui. Donc ce sont des relais, des valeurs pour que le pays ne sombre pas. Merci beaucoup, Maître Paty Joseph Lendo, initiateur de l'opposition scientifique, apôtre de la méritocratie. Ajoute ceux qui vous suivent régulièrement. Merci d'être passé. Merci à l'équipe technique. Et rendez-vous est pris pour un autre numéro de Au-delà d'actualité, mercredi prochain. Devoir sacré.